La lutte contre la pandémie à coronavirus se poursuit dans la capitale économique gabonaise. En effet, les directions provinciales de la famille et les affaires sociales ont été visitées par une entreprise d'hygiène de la place dans le cadre de l'éradication du virus. Ainsi, les locaux de ces deux services provinciaux ont été désinfectés afin d'offrir un cadre sanitaire plus sécurisé aux agents et aux usagers. Nous, en tant que entreprise qui faisons dans la lutte antivectorielle, nous nous sommes dit pourquoi pas apporter notre pierre dans la lutte antivectorielle, c'est-à-dire soutenir un tant soit peu l'action de l'administration gabonaise. Une première dans ces administrations déconcentrées depuis l'avènement du syndrome SARS-CoV-2. C'est une société qui nous a contactés, voilà, qui est venue nous voir pour savoir si depuis la venue de la pandémie, on est à plus d'un an, on avait bénéficié de ce genre d'opération, et on a dit que non. Ils ont volontairement et gracieusement offert ce service à une administration publique représentée ici par les affaires sociales. Donc merci à ici service. Selon le directeur des opérations, l'entreprise ambitionne d'offrir le même service à d'autres administrations déconcentrées, les écoles, les hôpitaux, pour ne citer que ceux-là.